On allume les spots. Flash. Le son. Moi, je suis en place. Le cadre, c'est bon? Juste deux secondes, ça sera pas long. Ouais, en tout cas, on voit pas ça souvent, c'est, hein? Caméra. Ça tourne. La couleur, c'est beau. En tout cas, c'est du beau matériel que vous avez là. Hey! Faut vraiment que je filme ça. Ah, oh, coupe. C'est bon, t'es prêt, hein? Je m'appelle Fernand. Je suis chasseur à l'ancienne depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé avec mon père dans les années 20, puis il utilisait déjà la méthode barbecue dans ce temps-là. Puis t'es né ici? Oui, je suis né ici, puis j'ai grandi ici. Moi, je chasse toujours vers 17h à peu près chasser. Ben, c'est parce que c'est une bonne heure, puis ils sont tous dehors à cette heure-là. Regarde. Sens, là, ils sont tous là-bas. Ouais, on les récupère quand ils sortent. Oh, tabarnouche! Un baby diet. Hey, vous me gâtez là, vous autres, hein? parlez-nous de vos outils un peu. Ah, ben écoute, c'est tous mes outils que mon père m'a légué. Il les a fait avec mon grand-père, de ses mains, Jean Copeau. Puis, c'est quoi la meilleure arme pour taper une humain? Non! Ah! Dans le temps, je t'aurais dit que c'était ça ici. Mais avec Internet, ça marche plus bien. Ben. Plus personne qui sort pour ça. Ça fait que pour chasser l'homme de 2011 aujourd'hui, ça te prend ça. Ça, mon ami, ça les attire comme une mouche à un tas de marbre. Oh, excusez, tiens, ben, nous, je pensais que c'était un arbre. Pourquoi est-ce que je chasse pas au fusil? Écoute, c'est une bonne question, ça. Moi, pis les armes. T'as pas une autre question, là? Ma mère? Ah, oh, il y a ma mère! Oui, mais écoute, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ben, elle avait deux jobs, hein? Le jour, elle travaillait au Serpenzerotti. Pis, ben, le soir, était put pour animaux. Ah, t'as hein? Coupe. Quoi? Ma mère. Ah oui, ma mère. Elle était vétérinaire. Puis, ton père, lui? Ah, ben, mon père, c'est lui qui m'a tout appris, hein. Il m'a appris à chasser, parce que j'ai grandi ici avec lui. Puis, il m'a appris le commerce aussi. Maintenant, ben, je vends les scalps, les tatous, les dents, la verge pour les pogos, la peau des couilles parce que ça fait des bonnes trucs chaudes. Hein? Coupé. Ah, puis je vends aussi le colon. C'est bon, là? Pas de problème, mon ami, je te fais ça. Bon, ben, ça tourne quand t'es prêt. Je suis chasseur d'hommes à l'ancienne. Je tiens à perpétuer la tradition de chasse de mes anciens, car j'aime à penser que cela va permettre à ces techniques de survivre. Nos costumes sont en péril. Nos coutumes sont en péril. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, j'ai tué 64 hommes. En moins tant que ça. Sans avoir utilisé les armes modernes. Coupé. Hey, on l'a eu! Ça va nous content. Ouais, paraît que c'est ce qui se dit. Nous autres, les gars du Nord, on a des problèmes de mémoire. Ben, jusqu'à date, moi, j'ai pas connu ça. Pas à ma connaissance, du coup. Je t'avais pas demandé quelque chose à boire, toi? Ah, j'en ai un bon spécimen qui s'en vient. Mais c'est pas un gros, mais il y a des bons attributs. Plus pesant. Regarde. Ah!
j'aurais pas ramassé les dents. Ouais. Une autre belle journée de chasse. Trois belles prises à part de ça. Bon, c'est sûr que j'ai pas tout ramassé les membres, hein. J'ai laissé une coupe là-bas, là, mes clodos finiront le reste. Moi, je vais rentrer chez nous, là, aller dépasser tout ça, là, puis je vais voir ce que je vais garder pour le marché. D'habitude, quand j'ai des clients qui viennent me voir pour un bras, ben une jambe, ils sont toujours satisfaits de ce que je leur donne, puis ils repartent toujours avec le petit bonheur. Ça, c'est clair et net. Oh, putain, ben, regarde ça, on est chanceux, hein, encore abandonné là-bas. Oh, ben, je peux-tu vous demander 2-3 minutes, là, parce que ben, je la connaissais. Oh. Ah! Commande, Fernand! Hey! J'ai dit 2-3 minutes! Ouais, en tout cas. T'as une bonne journée! Ouais, mais il a oublié de nous montrer la méthode à son grand-père. Ben, il nous a dit qu'il y avait des absences des fois. Ouais, c'est vrai, tantôt, il a oublié sa bite derrière un arbre après avoir pissé. C'était pas un pogo? Non, c'est une légende, ça, voyons donc! Les zombies, ça se passe sur pas sur des photos de Marilyn Manson, voyons donc, arrête! Mais, je vais te dire quelque chose, pardon. J'ai sauté la sorcière de Blair Witch. Véridique! T'es dans le pot juste à côté ici, là. Hey, regarde. Fred de même, là. Une vraie chaleur. Qu'est-ce que j'aimerais faire avant de vivre? J'aimerais ça. Croquer dans les fesses d'un premier ministre, par exemple. Ça serait bon. Coupé. Quoi? Ce serait pas pire. Mais dans le fond, c'est comme j'aimerais faire, là. Ça serait mettre les dents, là, sur un bon cerveau de prix Nobel, là. Comme tous les zombies rêvent, là. Un bon cru de 90, il me semble que ça serait magique. Ou bien un 76. Ça pourrait être pas pire, ça. Mais dans le fond, là, ce que je voudrais faire, vraiment, là, ça serait faire changer les choses. Oui. Moi, j'aimerais ça, là, que tous les zombies sur la planète, là, y aient accès à un couturier de famille. Oui. Puis j'aimerais ça aussi, là, que on arrête de jouer dans des films de marde. Ça serait le fun qu'on ait d'autres rôles, nous autres, les zombies. Puis en plus de ça, j'aimerais ça aussi, là, qu'on arrête de courir après notre bouffe. Ça serait le fun, une fois de temps en temps. Puis aussi, là, j'aimerais ça que plus aucun zombie sur la planète, là. Il a eu peur de l'eau. Oui. Parfait. Ah, oh, puis j'aimerais ça aussi retrouver ma bite. C'est pas personne qui l'a vue.